Valse à mon cœur. 3, 4. Alors, que dire? On arrive à des morceaux de fin de premier cycle. Donc là, c'est une valse magnifique, en trois temps, une valse, hein. Un fa dièse à la clé. On commence sur le troisième temps. 1, 2, 3. Vous commencez à t'habituer, c'est un morceau à trois voix. On le voit très très bien dès la première mesure. Une blanche et une noire en haut, au milieu un soupir, une blanche, en bas une blanche pointe. C'est vraiment ce qui fait que le morceau est lié et joli. On va le décomposer tout doucement. Donc au départ, un mi, la stoche. Donc là, je vais chercher le si avec mon troisième doigt à la septième case. Vous allez voir que, je crois qu'au niveau du solfège, en tout cas de la lecture de notes, on va avoir fait le tour. Je glisse jusqu'au fa dièse. Donc là, je me retrouve sur un accord de ré 7 finalement. Mi, si, si, fa. Ce qui est surtout important, les notes vous les avez, c'est écrit, etc. Vous allez regarder mes doigts, je vais essayer d'être bien en face de la caméra, mais c'est pas facile. C'est vraiment de rien lâcher pour avoir du son, pour entendre les trois voix. Fa, la do, fa, si sol. Toujours du son, j'ai toujours mes trois voix, c'est en harmonie perpétuelle. Donc cette deuxième partie, si je repars du mi, si. Donc là, j'ai un do et un mi avec un petit barré. Je vais venir remplacer ce do avec mon deuxième doigt pour faire un petit barré pour avoir un ré et un fa dièse à la septième case. Et là, avec mon petit doigt, je vais chercher le ré. Dixième case, pour vous dire qu'on a vraiment fini, enfin, on aura tout vu au niveau des notes. Je le refais. Et alors. Alors là, c'est pas facile. On va voir le si et le sol. C'est quand même assez éloigné.
Il y a 4 cases, mais il y a surtout 6 cordes dans ce sens-là. Donc là, il n'y a pas le choix. Hein. Si le pouce n'est pas bien placé derrière, on ne fait pas l'écartement. Ensuite, je vais avoir un si que je vais venir chercher, troisième corde, quatrième case, avec mon deuxième doigt, plus le ré. Mais le ré, je l'obtiens avec mon barré. C'est-à-dire. Et je retourne chercher le si. Il est dur ce passage. Je continue. Là, je promène mon petit doigt. Donc là, je suis vraiment sur un accord de la mineure, hein, sur le bas de l'accord. Mon premier doigt va aller chercher Do dièse. Et mon petit doigt va glisser à la sixième case. Donc là, j'ai Do dièse et Mi. Sixième case, cinquième case, sixième case. Et ici, le Do dièse à la quatrième. Ici, je vais balader mon premier et mon deuxième doigt. Ils vont glisser de deux cases. Donc de 4 à 4 et 5, on va passer à 6 et 7. Et en dessous, je vais chercher le Si. Et là, j'ai mon petit doigt qui va chercher le Ré dièse. Ok. On va le refaire doucement, puisque de toute façon, la mélodie recommence exactement pareil. Sauf que cette fois-ci, je vais avoir un arpège. Donc, bien l'annulaire, le majeur, l'index sur les trois cordes du bas, les basses au pouce. On a beaucoup travaillé la main droite et les arpèges. Et on se retrouve dans le cas d'un morceau qui est un peu plus complexe, où c'est pas toujours régulier, mais à peu près quand même. Donc, ça reprend exactement la même mélodie au niveau de la main gauche, mais avec un arpège main droite. Sol si. Do, je balade le petit doigt. Do dièse, quatrième case, sixième, cinquième, sixième. Mon premier, deuxième doigt, je les avance de deux cases. Jusqu'au Fa dièse. On part du Si. Si, Fa dièse. Ok. Je rejoue un petit coup ça depuis le début. Tout début. Tout doucement. Et on va essayer de faire en sorte que vous voyez bien ma main gauche. Même si la main droite est très importante. 3, 4.
Il nous reste une petite partie avec une reprise qu'on va jouer deux fois. Je vais donc partir avec mon deuxième doigt. C'est exactement une position de 6-7, sauf que je suis une case plus loin. Donc Do. Donc là on peut vraiment faire pouce, pouce, index, majeur, annulaire. Je descends tout ce que c'est en 6-7. J'ai qu'une attaque à la main droite, si, do, si, et je remonte la phrase, la, fa, si, fa, la, ça recommence. Et là j'ai une jolie petite descente, je vais aller chercher le mi, 5e corde, 7e case. Donc là j'ai 1er, 3e et 4e doigt, 7e case, 9e, 11e, en descendant d'une corde à chaque fois, 5e corde, 4e corde, 3e corde. Avec le doigt qui me reste, je vais chercher le sol, si, voilà. Donc là ce mi, par rapport à notre mi grave, c'est la fin de la 3e octave. On connaissait le mi, 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 d'accord, vos 4 mi, 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 donc cette petite descente, on part d'un mi, qui est l'équivalent de ce mi, et donc là j'ai une reprise. Je respire, comme dirait mon pote, je repars du Do. 6-7. Mi, Si, Fa dièse, La, Si, Do, Si, La, Fa, Si, Fa, La. Rebelote. Facile ce morceau. On est en fin de cycle, ça devient à partir de là pratiquement toujours joli, hein, mais sauf que ça devient aussi pratiquement à chaque fois un petit peu compliqué. C'est la rançon. Vous avez bien bossé si vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand je fais ma petite liaison ici, là, si, do, si, ce qu'on retrouve souvent, c'est que les gens, le fait de faire des liaisons comme ça, ils ont tendance à accélérer. Hein, j'aurais vraiment pu jouer les notes. Je les ai joués. Donc soit je fais Si, Do, Si, ou alors avec les liaisons, c'est plus joli, plus coulé. Par contre, j'accélère pas, ça reste des croches. Ok. Et puis, concernant ces notes ici, là, donc on a un Mi. Sur cette corde, on avait déjà joué quoi sur cette corde? On avait joué le La, le Si, le Do. Donc, pourtant, on a joué Do dièse, on a joué Ré dièse, on arrive au Mi. C'était loin quand même. En dessous, un Si. Qu'est-ce qu'on avait joué là-dessus? On a déjà joué Mi, Ré, Mi, Fa, Fa dièse. On a joué le Sol dans Nuage blanc. Parce que ça, on se retrouve sur le Si. Là, on l'a peut-être pas encore vu. Et pour finir, donc Mi, Si, Fa dièse. Ok. Donc, ce Fa dièse est l'équivalent
deux fa dièse. Hein. Ré, mi, fa, fa dièse. Qui est l'équivalent de fa dièse. Fa dièse, fa dièse, fa dièse. Le timbre est différent, mais au niveau de son écriture, on considère que c'est la même hauteur. D'accord ? Pour le si, donc on a joué ici, ce si, c'est le même que lui, qui est le même que lui. Si à vide, deuxième corde, quatrième case, troisième corde, deuxième case, quatrième corde. Comme quoi, vous voyez, toutes ces notes qu'on a peu étudiées, ce sont les mêmes qu'on a rencontrées dans nos trois premières cases. D'accord ? Amusez-vous bien.